Tout le monde, Kimwoman ici, son avant-winter. Et oui, ça fait un peu longtemps. Yay! Pour une fois, j'ai pas de crademie, pas un autre. Yay! Ah, ouf. Ouais, c'est un peu tôt le matin en plus. Je dois me réhabituer à me lever tôt le matin, si je viens de l'école, le petit. Non, franchement, ouais, comme vous pouvez, certains d'entre vous pouvez le savoir, il y a ces dernières c'est moisi pendant les congés, c'était pas le pied pour moi. Alors, oui, ça fait des mois que j'ai pas touché Navo Winter en plus. C'est le pire. Fait un peu bizarre, quand même. Ah, mais. Ouf, ouais, un peu bizarre. Non, je voulais voir, franchement, vos impressions pour le nouveau extension. Je sais qu'il y en a un qui dit que ça bug, ça. C'est quoi? Ça bug. Je crois que c'est Scrooge qui l'a dit. Moi, je vous montrerai son commentaire après. Dans cette partie-ci, que ça bug, que c'est trop répétitif, c'est pas du tout comme le clip et tout ça, mais il a pas tort dans une manière, parce que Neverwinter, Winter, à chaque fois que tu vois les cinématiques, c'est absolument rien à voir avec le gameplay qu'on a, hein. Ça, tout le monde le sait. Mais bon, c'est Neverwinter aussi, il faut pas trop leur demander. Et en plus, je crois que Arc lui-même a sorti un nouveau jeu, je crois, ou va sortir un nouveau jeu. Quelque chose comme ça. Alors, c'est un peu logique, ça correspond pas du tout, hein? Et que Neverwinter, bah, ça tombe un peu, tout, comme toujours, dans l'oubli, hein? On oublie tout le temps. Neverwinter, mais bon, c'est pas grave. Donc, je n'ai pas continué mes campagnes non plus ces mois-ci. Vu que j'ai carrément désinstallé le jeu, j'ai perdu mon restant de mon VIP, que j'ai même pas pris les clés. Ça aussi, j'aimerais bien que Neverwinter y change un peu leur système là pour les clés là. Quand on rate un jour, quand on rate un mois, qu'on récupère quand même les clés parce qu'on met quand même certains, bon pas certains, mais beaucoup d'entre nous met du vrai sous-sous dans le jeu, juste pour à la limite pour voir un mois des VIP pour mettre des diamants de côté pour voir pendant 3 mois ou bien même 6 mois. Mais bon, ça c'est un autre point que je vais de nouveau relever quand l'extension va être sortie. Oui, je fais beaucoup parce que c'est pas une blague, je viens de me réveiller. Il y a eu une grosse tempête sur la Belgique, surtout à Bruxelles, et comme une blonde comme je suis, oui, je suis blonde à la base, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte et j'avais pas le courage de me lever pour la fermer. Alors la pluie m'a gardé éveillée presque toute la nuit. Alors j'ai un peu la tête en blip, hein. Comme avec maintenant, avec YouTube, il y a certains mots quand même. On dit un jour certains mots, on peut se faire censurer. C'est pire en pire sur YouTube en plus. Mais non, franchement aussi, j'ai envie de vous dire merci pour votre soutien. Ça me touche beaucoup, énormément. Ça m'a quand même pas mal aidé, ça c'est vrai. Malgré qu'il y a il y a 2 week-ends, j'ai eu une prise de panique en plein public parce que je voyais plus mon petit bout pendant 5 secondes. Qui n'est pas. C'est pas moi ça, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y a certaines choses que je dois encore régler. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est vraiment là pour parler d'extension, là. Ce que vous en pensez, ce que vous en dites. Je sais que sur PC, comme je dis, c'est déjà sorti. On me dit que ça bug, ça rame, c'est répétitif et tout ça. Faut pas oublier non plus que Neverwinter, c'est quand même un jeu de farm, hein, on n'a pas le choix, hein, comme on dit, c'est grind. Mais bon, c'est vrai qu'avec Neverwinter, des fois ils exagèrent un peu. J'ai entrevu ces derniers temps, ces derniers mois aussi, mais ça, j'ai pas relevé et je sais pas si ça a changé parce que même pour ça, j'ai même pas été voir sur le site, sur des forums et tout ça. C'est sur le fait que le paladin maintenant, il fait tant qu'il fait DPS et en même temps il peut faire heal. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Comme je dis, ça fait des mois que je n'ai pas joué. Bon, presque 2 mois, à part une fois pendant le. J'ai même pas fait le truc de l'été pour vous dire.
J'ai juste fait l'assaut de l'orque que je dois encore je l'ai fait en montage vidéo mais tout en musique. Mais non, après ce que j'ai compris, il y a ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Si vous avez un paladin, dites-le-moi si c'est vrai. Je trouve ça bête si c'est le cas. Parce que ça sert plus rien de monter des autres persos. Alors, hein, beaucoup on se casse la tête à monter un tank ou bien un heal et un DPS et on peut voir tout en 1. Alors, j'espère pas que c'est le cas. Je sais qu'à l'époque, quand je jouais assez souvent, je commençais déjà à le sentir que le paladin, bah maintenant il est. Il fait tout. Je sais que. Je sais plus c'était dans quelle partie. Mais je me rappelle qu'il y avait une partie où que je me demandais qu'est-ce que le heal faisait là, parce que finalement le heal n'a servi strictement à rien du tout, vu que le tank faisait tout son travail. Alors, le tank. Oui, non, pas le tank. Ouf. Café. Pas le tank, mais le paladin faisait son travail à la place. Et moi, personnellement, je trouvais ça un peu bête. Parce que je pars du principe que bah, la personne s'est quand même montée et s'est cassée la tête pour voir un heal. Et finalement, pour rien, quoi, en sachant que tu as un paladin qui vient et qui fait son travail. Alors, mais bon, comme je dis, ça c'est mon opinion personnelle. C'est comme ça. Pour le D20, je sais pas, comme je dis, je vais pas aller dessus, je vais recommencer à regarder un peu plus les forums et tout ça pour savoir s'ils ont fait quelque chose ou est-ce qu'ils vont changer quelque chose. Avec le Bolkona, absolument rien du tout. Pour pas changer, je sais que bah, maintenant, vu qu'il y en a un avec moi, les archers, ça commence à revenir comme avant. Vis-à-vis des valeurs, comme je dis, je sais pas. Vis-à-vis des tanks en lui-même, qu'est-ce qu'il y en a un avec nous aussi, mais je sais pas où il est, je crois qu'il s'est perdu. Je crois aussi que là, ils ont changé 2-3 trucs pour les nouveaux extensions. C'est bizarre parce que quand je vais sur le site Neverwinter ou quoi, qu'est-ce, comment, vis-à-vis des classes, ils en parlent pas beaucoup pour Xbox ni PlayStation. Sur PC, oui. Mais je sais que des fois, ils ont tendance à nerfer un peu les persos plus sur console que sur PC. Ça, je le sais. Parce que des fois, quand je vois les D20 sur PC et les D20 sur console, je me dis, il y a quand même un sacré petit problème à mon goût, mais bon. Désolé, c'est mon café, j'en ai besoin. J'aime bien parce qu'il y a tout le monde qui dort dans cette baraque. Mon chien qui dort dans le canapé, les quatre fers en l'air. Le petit qui dort encore. Et mon mari qui. Bon, lui, il est parti au travail. Et non, c'est vrai que je sais qu'il sort des fois. Ben, je suis pas sûr à 100%, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'entre les persos entre PC et les persos entre console, j'ai l'impression que Never arrive à faire en sorte que il le change un peu. C'est que moi, ce que je dis toujours, et je n'aime pas ça, je trouve que les extensions devaient sortir en même temps sur toute plateforme, mais ça, comme je dis, c'est mon avis, et j'ai pas envie de me casser. Mais tu me vas me faire ton. Ouais, ça sert à rien que je fasse mon pouvoir maintenant. Ça sert à rien de faire mon pouvoir maintenant. Mais non, j'aimerais bien qu'ils arrivent à sortir tout en même temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire. Je crois que Tara. C'est Tara ou Skyforge, un des deux, qui arrive à sortir les extensions exactement en même temps. Pas tous, parce qu'il y a certaines mises à jour qui doivent être faites avant sur PC. Il faut dire aussi que les composants sur PC sont complètement différents que sur console aussi. Hein. Et l'histoire de serveur. Mais ils arrivent quand même à sortir des trucs au même temps que sur Xbox, PlayStation et PC. Parce que je reçois des mails pour PC. En disant qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et le même jour, je l'ai sur console. Plein de trucs comme ça. Alors, Neverwinter, je voudrais bien qu'ils fassent exactement la même chose, parce que je trouve ça, personnellement, je trouve ça un peu dégueulasse, le fait qu'ils utilisent les PC d'abord. Est-ce que j'ai remarqué que quand c'est sur PC, quand ça sort sur PC, c'est complètement buggé, et quand c'est sur console, les bugs qui sont sur PC ont disparu, quoi. Et je suis pas fan qu'ils utilisent un peu PC comme test. Mais bon, ça, il n'y a pas que moi qui y pense, et on est quand même plusieurs à le penser.
Mais voilà quoi. Mais comme j'ai dit, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires avec ce nouvelle extension. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même faire, je vais quand même l'essayer pour preuve que je n'ai pas monté mes campagnes à tel point que j'ai désinstallé le jeu. C'est comme je dis, c'est pas une blague. Pendant presque les 2 mois, j'ai toujours pas continué. Je suis toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Hein? Comme ça, vous le savez. Et comme j'ai dit, on le voit tout de suite dans les files d'attente. Voilà. Hein? Je peux toujours pas le faire. Je peux toujours pas le faire parce que j'ai désinstallé le jeu parce que j'en ai marre. Bon, comme j'ai dit, beaucoup d'entre vous savez que je commençais à en avoir un peu marre de Neverwinter. Depuis que je l'ai réinstallé, par contre, ce que j'ai fait. Non, pas ça. Ce que j'ai fait. C'est pas ça non plus. Personnage. Depuis, ce que j'ai fait, c'est augmenter un. Comment ça, 300. 30, 30, 13. Je suis à 400. 14 idées, moi. Parce que je me suis fait des. J'ai vendu mes bleus et je me suis acheté maintenant les trucs. Mais normalement, je sais pas. Ah non, j'ai perdu mon compagnon. D'accord. Je me disais bien. Maintenant. Ah, voilà. Ah, j'ai peur. j'ai commencé à acheter, revendre et acheter mes trucs. Je crois qu'il y a juste celui-ci. C'est celui-ci? Ou c'est toi? Tu vois, je commençais à avoir maintenant des 13. Voilà. Je vais encore m'acheter un 13 avec celui-ci. Par contre, de promesse que j'ai dû utiliser immédiatement pour mon compagnon, je crois. C'était mon compagnon. Oui, c'était pour mon compagnon. Alors, je dois refaire des diamants là-dessus. La preuve, j'en ai combien moi? Ouais, voilà. J'ai pas beaucoup de diamants. Hein. Oh. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'or non plus. Hein, parce que j'ai dû vendre aussi pas mal de petits trucs. Et acheter des trucs. Mais non, comme je dis, j'ai fait ça depuis que j'ai réinstallé le jeu. J'ai réinstallé le jeu. Je crois que maintenant, ça va faire quoi? Même pas une semaine que j'ai réinstallé le jeu. À preuve que j'ai fait le petit truc d'orc là. La AAA là. Mais j'ai pas du tout fait les festivités d'été. Qui est dommage parce que c'est une festivité que j'adore. Mais franchement, j'avais vraiment pas ma tête à ça. Comme on peut voir, ma chaîne a un peu en souffert avec ça. Mais bon. J'essaie de faire un peu le jeu, la black là. Qui est pas mal, j'adore. Ça, c'est gag. Franchement, j'aime bien. C'est un bon petit shooter. Oh, mais bon, ça, mais c'est vrai que la deuxième partie, j'ai remarqué 3 jours après que j'ai mis la vidéo en ligne que c'est pas la vidéo que j'ai montée en fait. Celui-là, c'était juste la vidéo comme ça que j'ai utilisée pour monter la vidéo. Or, je dois retrouver cette vidéo-là et la remettre. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez, je vais arrêter de parler pour rien en fait. Ouais, comme toujours. Allez, bisous, bisous.